salut. Acclamons le Seigneur, mon point de vie, le bouclier. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni. Disons, Père Céleste, merci pour la grâce que tu nous as fait d'être ici. Malgré cette tempête de neige, tu as permis que nous soyons là. Mais merci de bénir tes enfants qui n'ont pas pu venir. Et ceux qui ont eu des incidents en cours de route. Garde-les de tout mal au Dieu de grâce. Seigneur, nous voulons aujourd'hui encore te dire merci d'avoir agréé notre adoration, d'avoir agréé notre louange, d'avoir avant tout, ô Dieu, pardonné toutes nos iniquités. Père, nous te disons merci. Couvert par le sang de Jésus, nous sommes. Nous voulons écouter ta parole. Merci de bénir ta parole, qu'elle soit une bénédiction pour nous et pour ceux qui vont nous suivre. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ de t'avoir ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. C'est moi, je peux me donner ton micro. Amen, 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 amen. Pour ceux qui nous suivent, je sais que beaucoup sont restés à la maison. Oui, la tempête était sérieuse. Vous savez que nous sommes des guerriers. Et, là, des fois, il m'a envoyé un email depuis hier soir. Ah, demain, il va faire très grave. Donc, il faut faire attention à les sortir. Il dit, mais moi, sortir, aller à l'église, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent m'empêcher de ça. C'est très difficile. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni. L'étendard de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni et soit exalté. Nous reprenons l'enseignement sur David, l'homme selon le cœur de Dieu. La partie 13 aujourd'hui, nous voyons la fin du roi Saul. Ou le titre que j'ai sous-titre que j'ai donné, pourquoi est-il important de ne pas se venger? La fin du roi Saoul, ou pourquoi est-il important de ne pas se venger? L'enseignement est encore long pour David, mais nous terminons une partie importante où la personne qui était comme les chiens, là, c'est comme ces animaux que j'ai vus la nuit me poursuivre aujourd'hui, des animaux bizarres mélangés comme lion, comme loup ensemble. Ils arrivaient pour me manger, mais je faisais, et puis ils tombaient, ils arrivaient par ma voix. Alléluia. Amen. Ils ont vraiment des petits lopards. Les petits lopards, quand je disais, oui, mais ils ont envoyé un animal qui est mélangé à 10 en plusieurs animaux. Mais ils n'ont pas pu ma voix. Alléluia. Amen. Saoul était l'ennemi des. Injustifié du roi David. Tout le premier livre que nous avons vu de Samuel 1 a concerné beaucoup plus comment Saoul était derrière le roi, celui que Dieu avait au roi pour devenir roi. L'homme qui était dans sa cour pour jouer la musique, pour adoucir la douleur qu'il avait, chaque fois les diables venaient souffler. Cet homme-là est devenu son ennemi. Et nous avons pu avancer dans ce passage-là. Que David, avant d'aller à Sikla, a dit, oh, autant me réfugier chez les Philistins, sinon je vais mourir aux mains de Saoul. Mais c'est là que nous voyons aujourd'hui que David n'était pas sans moyen. David n'était pas quelqu'un que Dieu ne protégeait pas. Il avait l'onction de Dieu. Et par deux fois, il a eu l'occasion de tuer son ennemi qui le poursuivait pour le tuer. Mais il n'a pas porté la main sur Saoul. Tu vois, hier soir, je me disais, Seigneur, inspire-moi un enseignement par rapport à cette attitude de David. Pendant qu'il était dans sa destinée, pendant qu'il était dans son désert, pendant qu'il ne vivait pas dans les villes, il vivait dans les grottes, il vivait dans les déserts, il a eu l'occasion par deux fois de tuer la personne qui devait le faire le mal. Mais il a dit, je ne le tue pas. Cela peut paraître bête. Mais David, vous savez qu'il était loin de Dieu, il était en même temps prophète. Il voyait loin. La première chose qu'il avait depuis qu'il était enfant, on l'a appris, on ne porte pas la main sur le roi de l'Éternel. Il savait que Saoul était en disgrâce, mais il était roi d'Israël. Il savait aussi que lui était au roi d'Israël, mais ce n'était pas encore le moment.
quelqu'un qui connaissait ses principes. Et par deux fois, il a eu à tuer Saoul. Il n'a pas, il n'a pas porté sa main sur Saoul. Alléluia. Amen. Comment toi tu fais quand il y a des gens qui te poursuivent, qui veulent te faire du mal? Comment toi tu fais que tu as un avenir certain? Il y a quelqu'un autour de toi qui te fait du mal tout le temps. Tu te comportes comment? Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais prendre des voix comme lecteur. On va tester les voix. Bon, donnez-lui des voix une Bible. Alléluia. Amen. Amen. Comme tout dit, il y a beaucoup d'absents. Et puis des voix devient une grande dame. Et 14 ans déjà. Voilà. Et Pélie. Alléluia. Donc, Deborah, tu vas nous lire 1 Samuel 24, versets 5 à 9. Amen. 1 Samuel 24, versets 5 à 9. Oui, ça va. Ils passèrent le Jourdain et s'installèrent. Donc 1 Samuel 24, verset 5 à 9. Fais-moi diminuer un peu le volume. Alléluia. Les hommes de David lui dirent : voici le jour où l'Éternel te dit : je te livre ton ennemi entre tes mains. Tiens-le comme tu le jugeras bon. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saul. Après cela, il sentit son cœur battre, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, que l'Éternel le garde de commettre telle action comme au Seigneur, celui que l'Éternel a désigné contre, a désigné par l'onction, qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que Dieu a désigné par l'onction. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continuer son chemin. Alléluia. Amen. Tu le lis aussi. 1 Samuel 26, à partir du verset 8. Alléluia. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je le coulerai à terre d'un coup, d'un seul coup. Je n'aurai pas à y mettre, à y prendre, à rire. Je n'aurai pas à y reprendre à deux fois. Mais David dit à Abisha, ne le supprime pas. En effet, qui pourrait s'en punir pour qui pourrait en punir pour la main contre celui que Dieu, que l'Éternel a désigné par onction. Amen. Amen. Alors je vais lire moi le 1 Samuel 31. Alléluia. Je vais lire à partir de. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins, tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saoul et ses fils tuèrent Jonathan, Abinadad. Mais Malchishua, fils de Saoul, l'effort de combat se porta sur Saoul, les archers l'atteignirent, il le blessait grièvement. Et Saoul dit alors à celui qui portait ses vêtements, tire ton épée et m'en transverse de peur que ces incirconcis viennent me percer et me faire subir des outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Saoul prit son épée et se jeta dessus. Alléluia. Nous voyons que par deux fois, David a eu l'occasion de quoi? De tuer le roi Saoul. Mais il n'a pas porté sa main sur lui. Parce qu'il a écouté son cœur. C'est encore, tu disais, première chose, il est loin de Dieu. Deuxième chose, Dieu va te venger. Ne te venge pas lui toi-même. Alléluia. Pourquoi j'ai dit cela? Quand nous allons, dans Samuel 24, quand David. Et Saoul a su que c'est David qui David l'a sauvé. Et au verset 18, David dit,
au verset 17, lorsque David eut fini d'adresser à Saul, à Saul ses paroles, Saul dit que c'est bien d'avoir mon fils David. Saul éleva sa voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du, et moi, je t'ai fait du mal. Tu m'as laissé toujours ta bonté, la bonté avec laquelle tu as. Tu m'as laissé toujours la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en tes mains, tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un raconte, son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait en ce jour. Et voici, je sais que tu erreras sur Israël et la royauté restera entre tes mains. Alléluia. Nous voyons, non, le verset 13, c'est David qui parle. Hein, au verset 13, l'Éternel sera juge entre moi et toi. L'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Voyez un peu. 1 Samuel 24, verset 13. L'Éternel sera juge entre moi et toi. L'Éternel me vengera de toi, mais moi je ne porterai pas la main sur toi. Donc par deux fois, il y a eu l'occasion de se venger. Mais dans son cœur, il savait qu'il ne va pas porter la main sur son ennemi. Il avait cette parole certainement de ton nom qui dit, où l'Éternel dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et cette parole n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, si tu ne te venges pas, on te trouve comme faible. Mais il y a un grand, une grande raison pour nous chrétiens qui nous venge, qui est l'Éternel, Dieu des armées. Donc, dans sa vie, il a eu plusieurs fois l'occasion de se venger, mais il ne l'a pas fait. Premièrement, parce qu'il craignait Dieu, il ne portait pas la main sur le roi de l'Éternel. Combien de gens portent des mains aujourd'hui, le roi de l'Éternel? Bien sûr, tout chrétien est roi de l'Éternel, mais il y a aussi les conducteurs que Dieu a mis qui sont aussi le roi de l'Éternel à un niveau un peu plus élevé encore. C'est parce que tu dois faire attention de te moquer d'un serviteur de Dieu. Un vrai. Même quand il commet une faute, prie pour lui, fais attention de te moquer de lui. David et Saul étaient fautifs, mais David et comme il était roi de l'Éternel, l'autre n'a pas voulu porter la main sur lui. La même chose, un chrétien a le Saint-Esprit, ne porte pas la main sur un chrétien. Alléluia. Nous revenons ce que je voulais dire, ce n'est pas le sujet du jour. C'est le jour. Donc David, à quelle époque David vivait-il? Il vivait à l'époque de la loi qui disait, œil pour œil, dent pour dent. Tu me donnes un coup, je te donne un coup. Tu me casses l'oreille, je te casse l'oreille. Hein? C'est un air que beaucoup de chrétiens veulent avoir aujourd'hui. Là. Ils croient que c'était supérieur. Alléluia. C'était l'ère de la vengeance. Et c'est dans cette époque-là qu'il vivait. Mais, ayant la révélation de Dieu, il n'a pas fait ça. Il a rendu quoi? Le mal paraît le bien. Vous allez lire que le livre de Pierre dit, il écrit, rendez le mal par le bien, afin que vous puissiez hériter quoi? La bénédiction. David savait qu'il était béni. Il voulait protéger sa bénédiction. Tu ne portais jamais ta bénédiction en faisant le mal, même si le mal est justifié. Tu ne portais jamais ta bénédiction quand tu rends le mal pour le mal. Tu la détruis. La bénédiction qui vient de l'Éternel, elle doit être protégée par l'amour. C'est-à-dire que tu dois continuer à faire le bien, même à ceux qui te font du mal. C'est le but de l'enseignement aujourd'hui. Alléluia. Donc, il vivait dans le temps de la loi de œil pour œil, mais lui non, lui il a appliqué la loi du Christ déjà. La loi du Christ, puis de Matthieu 5, Déborah Matthieu 5, verset 38 à 39. Amen. Alléluia. Prenez l'autre micro là et l'autre micro qui est un peu plus fort. Ta voix est petite. Où est l'autre micro que Moïse? Où est l'autre micro? Oui, Moïse, Déborah, tu prends l'autre micro qui est un peu plus fort. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ok. Amen. Lis-nous Matthieu 5, verset 43 à 45. On va y revenir. Vous avez appris qu'il était. Qu'il a été dit. Tu avais augmenté le volume derrière. Tu veux, oui. Sa voix est petite. Vous avez appris
qu'il a été dit, vous aimerez ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est David, il applique la loi de l'amour. Il ne rend pas le mal pour le mal. Il bénit, il aime Saoul, mais Saoul ne l'aime pas. Et aimer, ce n'est pas des mots. Il pratique le bien. Donc, quand il faut faire du mal, il n'a pas fait du mal. Il n'a pas porté la main sur lui. Et tout ça, c'est parce que c'est ça qui protège l'héritage spirituel de l'Éternel. C'est ça qui protège ta bénédiction. C'est comme on avait dans l'enseignement sur Abigaël. Abigaël était mariée à un mari méchant. Mais elle a su protéger son avenir en faisant le bien à ses maris méchants. Donc toi, enfant de Dieu, nous, il nous a pas permis de faire du mal aux gens. J'insiste sur ça parce que c'est la prophétie de cette année. Nous devons devenir fermes d'avoir dans l'amour. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons que David a exercé l'amour. Et dans sa fuite, il a eu au moins trois occasions de rendre le mal pour le mal. Des occasions en or. C'était toi-même. Donc des gens aujourd'hui, ils rendraient ce mal-là. Trois occasions en or. La première occasion, nous venons de le voir dans les forts d'Anguedi. C'est qu'on a envoyé dans 1 Samuel 24, versets 5 à 9. Je vais le lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Clapez les mains. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Amen, que son nom soit béni et soit exalté. Et c'est bon, le 24, les gens lui disent, voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David s'éleva, coupa doucement le pan de la robe. Saoul était là, à sa disposition. Dans la grotte, il ne voyait rien. Mais les guerriers voyaient qu'il était là. Mais il a coupé simplement sa robe. C'est comme quelqu'un qui te fait du mal. Tu lui dis que j'aurais pu. Tu lui dirais, j'avais eu l'occasion de faire. De rendre le mal pour le mal. Mais je n'ai pas rendu le mal par le mal. Il a coupé simplement la robe. Il est parti. Tout le monde autour de lui voulait qu'il frappe. Mais lui craignait Dieu. Des fois, tu peux avoir les conseils des gens. Qui te dit de rendre le mal pour le mal. Toi, écoute la loi de Dieu, écoute ton cœur. Alléluia. Il n'a pas rendu le mal. Il a craint de porter la main sur le roi de l'Éternel. Deuxièmement, il n'a pas voulu rendre le mal par le mal. Il s'éleva, il partit. Deuxième occasion qu'il a eue, c'est dans les cas de Nabal. On a vu dans les cas de Nabal que David avait gardé les animaux de Nabal pendant des mois. Et puis demain, il envoie les enfants, des jeunes qui étaient avec lui pour que. À la tondeuse des brebis, qu'on envoie quelques nourritures pour lui. Et Nabal les rabroue. Nabal dit, qui est ce fils d'Isaïe? Il y a des gens qui fuient leur chef. Et David était fâché, dit, moi, si ce n'est que par le nom de l'Éternel, je vais aller tuer cet homme-là. Mais la femme de cet homme, qui s'appelle Abigaïl, arrive, empêcha David, en parlant doucement à David, d'aller tuer son mari méchant. Alléluia. Il a eu l'occasion de faire du mal, de rendre le mal par le mal, mais il n'a pas voulu faire le mal. Troisième occasion, cette fois encore avec son ennemi Saoul et dans la colline d'Aquila. La même chose. Là, ils arrivent, ils poursuivent Saoul. La nuit, quand il dort, David en guerrier, il voit que le roi Saoul dormait quelque part. Il est venu jusque là où il dormait. Il a juste pris sa cruche. Il est parti. Vous comprenez cela? Il y a une bonté de faire du bien. Un chrétien qui s'élève vraiment en fils de Dieu arrive à ce niveau-là. Vous voyez, quand on retourne un peu dans Matthieu 5, verset 38, Déborah peut nous dire cela. Et Matthieu 5, tout à l'heure, alléluia. Matthieu 5, elle lit nous juste les versets 44 et 45. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oui, Matthieu 5, si c'est le bon.
45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père Céleste. Amen. Afin d'être appelé fils. Vous voyez que si tu n'élèves pas ton cœur à un niveau d'amour, de bénir, d'être capable de bénir ses ennemis, il risque de ne pas être appelé fils ou fille de Dieu. Parce que tu n'es pas différent de ceux qui sont dans le monde. Au monde, on aime ceux qui les aiment. On n'aime pas ceux qui les aiment. C'est ça le monde. Mais en Christ et Jésus, nous ne pouvons que aimer même ceux qui ne nous aiment pas. Tu es capable de rendre le mal par le mal. Tu peux voir quelqu'un qui va dans un chemin de la mort, tu le laisses aller parce qu'il t'a fait du mal. Non, tu feras toujours le bien. Mais t'imagines pas que parce que tu fais le bien à quelqu'un qui marche mal, que nécessairement Dieu va lui faire du bien. Non. Dieu n'aime pas la méchanceté. Nous comprenons, bien aimé. Alléluia. Donc, par trois fois, David arrive et il épargne son ennemi acharné qui le poursuit. Alléluia. Parce que David marche par principe. Un chrétien, regardez-moi tous, un chrétien marche par principe. Tu ne marches pas par les sentiments. Tu marches par ce qui dit la parole de Dieu. Et tu te trouveras toujours joyeux après. Même en bénissant la personne la plus pire qui va te faire du mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tout va bien maintenant. Nous te disons merci, que ton nom soit béni. Les tendances sont établies. Les tendances sont établies maintenant, beaucoup de joie. Nous te disons merci. Gloire à toi, Jésus-Christ. Je reviens sur 1 Samuel 26, verset 28. Abishai dit à David, Dieu livre ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper avec la lance, le clouer à terre d'un seul coup, pour que je n'ai plus à y revenir. Hein? Ça, c'est l'ami qui est à côté de soi, Abishai. Il dit, c'est ton ami, laisse-moi, clouons-le. Mais David dit quoi? Oh, David dit, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur le roi de l'éternel? Il marche par principe, il sait qu'on ne porte pas la main sur le roi de l'éternel. Vous comprenez mes bien-aimés? Alléluia. Donc David avait aussi la maîtrise de soi. Et puis deuxièmement, il dit, l'éternel est vivant, c'est l'éternel. Vous voyez, quand il dit, c'est très important. On va voir ça tout à l'heure. Il dit, l'éternel est vivant, c'est l'éternel seul à les frapper, soit que son jour vienne, qu'il meure, soit qu'il descende dans le champ de bataille, qu'il périsse. David avait déjà prophétisé sur la mort de Saoul. Il savait que Dieu, quand tu fais le mal, il ne va pas te laisser continuer avec ton mal. Comme ces gens qui trichent les élections pour faire les choses au Congo. Ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Alléluia. Donc, David a fait du bien. Il dit ceci, verset 10, 1 Samuel, verset 10 du Benjamin. Et l'Éternel dit, l'Éternel est vivant, c'est l'Éternel seul à les frapper. Soit que son jour vienne, qu'il meure, soit qu'il descende sur les champs de bataille, qu'il périsse. Que lui-même meure de sa propre faute. Que lui-même meure de sa manière. Mais moi, je ne vais pas porter la main sur lui. Nous comprenons un peu. C'est pourquoi Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais combien de chrétiens veulent se venger? Combien de chrétiens? Et faire avancer tout en gardant tout ce que moi j'appelle les prérequis de vengeance. C'est-à-dire qu'ils veulent faire le mal. Combien? Il y en a plusieurs. Alléluia. Il y en a plusieurs. Et je vous assure que ces gens, les gens-là, ils ne verront pas Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous comprenons, bien aimé. Amen. Donc, quand on ne rend pas le mal pour le mal, quand on ne rend pas le mal pour le mal, parce que c'est parce que la vie de nos ennemis a du prix à nos yeux. Et ce qu'on appelle l'amour, c'est-à-dire qu'il me fait du mal, mais c'est un homme que Dieu a créé.
Il me fait de moi les hommes à créer. Donc, sa vie à lui, ou sa réputation, a un prix à tes yeux. Mais cela a une conséquence pour nous parce que ainsi nos vies aussi auront du prix aux yeux de Dieu. Parce que si nous revenons un peu là, oh mon Dieu, dans Matthieu 5, je lui dis, aimez vos ennemis, bénissez qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Amen. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas des mêmes? Alléluia. C'est pour nous dire simplement que quand David sauve la vie de Saul, parce que la vie de Saul a dit, malgré sa méchanceté, la vie de Saul est importante pour David. Et quand la vie de ton ennemi est importante pour toi, ta vie aussi sera importante aux yeux de Dieu. Parce que Dieu a une règle qu'il a dit, à moi, lui Dieu dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance, pas à toi l'homme. Alléluia. Et comme nous avons bien fait, David et Saoul est mort dans un champ de bataille comme hein, David avait prophétisé. Mais David, entre-temps, a sauvé sa réputation, a sauvé sa destinée. Alléluia. Alors, nous allons voir aussi rapidement, et il faut noter cela, sept bénéfices pour lesquels on ne doit pas s'évanger. Pourquoi est-il important de ne pas s'évanger? Pourquoi est-il important? Il faut noter cela. Pourquoi est-il important de ne pas s'évanger? Alléluia. La première chose, ne pas s'évanger permet à nos vies d'être d'un grand prix devant Dieu. C'est-à-dire que puisque tu as sauvé, tu ne t'es pas vengé, tu as sauvé l'autre, Dieu te sauvera aussi. Puis tu as été miséricordieux même envers les méchants, Dieu sera aussi miséricordieux envers toi. Parce que les méchants là, il est aussi enfant de Dieu qui ne connaît pas encore Dieu. Donc, ne pas se venger permet nos vies d'être d'un grand prix devant Dieu. Car Dieu dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Alléluia. Amen. Regardons ce que David dit dans 1 Samuel 6, verset 24. Ça, c'est le premier bénéfice. Dans d'autres termes, nous croyons que la vie des méchants n'a pas d'importance devant Dieu. Non. La vie des méchants est importante devant Dieu. Peut-être le plan des méchants pour Dieu est quoi? Qu'il se répande. Qu'il abandonne la voie de la méchanceté. C'est ça le plan de Dieu pour le méchant. Alléluia. Alors, si tu as l'occasion de lui faire du mal, toi qui as envoyé, laisse Dieu faire ce mal-là. Parce que Dieu lui donne encore le temps de se repentir. Regardez ce que David dit dans 1 Samuel 6, verset 24. Comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Il me délivrera de toute angoisse. Donc David, quand il sauve, il ne tue pas Saoul, il ne tue pas David. Et quand maintenant David et Saoul demandent pardon à David, David dit ceci, comme aujourd'hui, ta vie a été d'un grand prix à mes yeux. Ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel. Donc toutes les fois que nous faisons du bien à nos ennemis, c'est à nous-mêmes que nous faisons du bien parce que Dieu va nous faire du bien. C'est pourquoi il dit encore, je reviens sur Matthieu 5, verset 45 et 44. Et aimez vos ennemis, faites du bien à vos ennemis. Ça ne signifie pas être imprudent, ça signifie faire du bien, ça signifie pas être imprudent. Ça signifie pas, oh non, c'est mon ennemi, je vais faire du bien, je vais m'asseoir avec lui, dormir avec lui, compenser le temps pour lui, il va te faire encore du mal. Je ne parle pas de ça là. Parce que je lui dis, soyez prudent comme un serpent. Je parle de ne pas avoir une prédisposition intérieure ou une capacité de le nuire physiquement ou psychologiquement. Ne le nuire pas, bénis-le. Mais sois prudent, sois éloigné de lui. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc, comme David a fait échapper la vie de Saoul, c'est comme vous allez voir dans la vie de David, c'est comme nous allons voir dans des semaines, nous allons voir la chute de David. Dieu l'a pardonné directement parce que lui, il avait déjà un cœur pour pouvoir pardonner les gens. Mais Dieu l'a puni parce qu'il a versé du sang de l'innocent. Ça, Dieu déteste.
comprenons, mes bien-aimés, amen, dès le jour que nous voyons, ne pas s'évanger, deuxième principe, on écrit, deuxième principe, ne pas s'évanger nous permet de demeurer dans l'amour de Dieu. Nous permet de demeurer dans l'amour de Dieu. C'est facile, hein, de quoi je vais rendre le mal pour le mal et puis peut-être te sentir bien. Non, c'est une satisfaction charnelle. C'est une satisfaction diabolique. C'est même une satisfaction de Dieu. Et la femme de Dieu ne peut pas se sentir après avoir enfoncé l'épée ou bien après avoir frappé quelqu'un qui avait frappé son fils, se sentir bien. Non, tu ne peux pas se sentir bien. Ne pas s'évanger nous permet nous de demain. Quand on ne se venge pas, en fait, on laisse agir la colère. On laisse à Dieu la rétribution. On protège notre cœur. On demeure dans l'amour de Dieu. On demeure dans l'amour de Dieu parce que la Bible dit l'amour fait quoi? Excusez tout. Alléluia. Donc celui qui se venge, déjà, au départ, il fait quoi? Il ne pardonne pas. Parce que quand tu as été offensé, que tu n'as pas pardonné, c'est alors que les autres choses vont arriver, jusqu'à ce que l'amertume va arriver, les ressentiments vont arriver, et l'esprit de rancœur va arriver, la rancune va arriver, jusqu'à ce que tu te venges ou tu commettes même un meurtre. Oh, la Bible dit que 1 Corinthiens 13, verset 7, l'amour fait quoi? Excuse tout. Et demeurer en Dieu, c'est demeurer dans l'amour, c'est demeurer dans la parole de Dieu. Alors, donc, il n'y a pas un avantage pour un enfant de Dieu de pouvoir se venger. Est-ce que, regardez-moi, quand tu te venges un jour, que tu as, tu sens dans ton cœur que tu es joyeux, oh, c'est dangereux. Quand un chrétien se venge, il va se sentir malheureux. Un chrétien ne doit pas se venger. Un chrétien ne doit jamais rendre le mal par le mal. Il rend le mal par le bien. Tout le temps. Parce que Dieu a dit à moi quoi? La vengeance. À moi quoi? La rétribution. Et c'est une loi de Dieu et cela va s'accomplir. Troisième chose, ne pas se venger est une obéissance à Dieu. Donc quand tu dis je ne me venge pas, tu obéis à Dieu. Car Donc, engage dans l'accomplissement des autres destinées en Jésus-Christ. Quand je veux dire passer le troisième principe, je veux dire que tu es dans une destinée, comme David. Il a une destinée de devenir roi d'Israël. Il est déjà roi, mais il n'a pas encore été établi. Donc, pendant ce parcours-là, il y a quelqu'un qui le poursuit vers le feu du mal tout le temps. Lui, il marche par le principe de Dieu. C'est lui aussi un roi de Dieu. Premièrement, il ne rend pas le mal par le mal. Et deuxièmement, et en ne rendant pas le mal envers Saoul, il protège sa destinée. Il n'y a aucune destinée en nous, en Jésus-Christ, que ce soit la destinée spirituelle, la destinée académique, la destinée maritale, toutes les destinées, il n'y a aucune destinée en Christ et Jésus qui va s'accomplir sur toi, qui met dans ton cœur la haine, et tu décides de te venger. Ça ne marchera pas. Alléluia, on va voir cela. Donc, troisième principe, ne pas se venger est une obéissance à Dieu. Donc, un gage de l'accomplissement de notre destinée. Ça veut dire que si je veux que ma destinée en Christ s'accomplisse, je dois m'exercer à ne pas rendre le mal par le mal. Ainsi a fait David. Et Saoul est mort de sa mort. Tué par quelqu'un d'autre, mais pas par David qui poursuivait tout le temps. Et le méchant peut se tromper. Toi qui es méchant, qui fait le mal, qui veut utiliser des tricheries, des histoires comme ça, tu ne peux pas aller loin avec cela. Tu ne peux pas aller loin avec cela. Tu n'as même pas besoin qu'on démolisse. Parce que tu es déjà maudit par les actes que tu poses. Alléluia. Romains 12. Alléluia. La tendance de Dieu est là. Romains 12, chantons dans la joie aujourd'hui. Romains 12, verset 19. Alléluia. De quoi tu peux dire, verset 19 à 20. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance,
C'est moi qui donne à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais ton ennemi a faim, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras le charbon ardent sur sa tête. Alléluia! Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et ça sonne encore aujourd'hui. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont le charbon ardent des braises que tu mets sur la tête. Et c'est ce qui est arrivé à Saoul. Il a poursuivi. David lui a rendu du bien, lui-même il est tombé sur un champ de bataille. Parce que la voie du méchant, c'est la voie de la mort. La voie du méchant, c'est la voie de la destruction. Jamais tu me dis, je vais faire des gens méchants et puis espérer. Non, non, non. Le seul chemin du salut pour le méchant, c'est quoi? C'est cesser la méchanceté, changer la direction. Ce serait pas nous avons chanté aujourd'hui, tourner le dos à la mort, tourner le dos à cette méchanceté, Dieu va t'accueillir. Alléluia. Il dit, la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. C'est-à-dire qu'on veut vous faire du mal, mais ne te venge pas. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Faites-lui du bien. Quand il faisait du bien, il ne tombe pas. Dieu va s'en charger. Et toi, tu te protégeras. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, pour, dans chaque destinée, quand tu as, chacun de nous a une destinée, tu dois pouvoir demeurer dans ces principes-là. Moi, je vais faire du bien à ceux qui me font du mal. C'est une obéissance à Dieu, c'est un gage de l'accomplissement de notre destinée en Jésus-Christ. Alléluia. Quatrième principe. Ne pas se venger est une grande protection de notre cœur. Je disais tout à l'heure, quand tu trouves une satisfaction à pouvoir rendre le mal pour le mal, ou tu t'attends que ton ennemi est mort, tu commences à dire là, il y a un danger que tu ne connais pas Dieu. Amen. Souvent, quand l'ennemi, on dit oh, hélas, Seigneur, il n'avait pas écouté, on a un peu de tristesse pour lui. Un enfant, il y a toujours des tristesses, même quand les méchants meurent. Alléluia. Aujourd'hui, au Congo, les choix continuent. Moi, j'avais. Mon Boutou, je ne l'aimais pas tellement. Mais quand il est mort, j'étais triste toute la journée. Tu ne dois pas aimer, désirer. Vous voyez, des gens qui sont sarcastiques. Quelqu'un meurt, il commence à avoir continué à dire des mauvaises choses. Ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Alléluia. Donc, nous voyons le principe. Ne pas se venger est une grande protection pour notre cœur. Alléluia. On va expliquer cela. David et M. 6 de Déborah, Proverbe 4, verset 29. Proverbe 4, verset 29. Tout le temps, c'est la joie. Proverbe 4, verset 29. Oui. Hein? Proverbe 23, je m'excuse. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de vie, dans le français courant et dans lui second, car c'est de lui que viennent les sources de vie. Garde ton cœur. On parle de ton esprit. On parle de ton homme intérieur. Garde-le. Alléluia. Parce que, par exemple, quand on vient nous faire du mal, il y a un plus grand danger que notre cœur ne soit pas gardé. Ça veut dire que la loi de Dieu n'est plus effective dans notre cœur. Quand vous allez dans le tabernacle de Moïse, vous allez voir qu'au sein de ça, il y a la loi de Dieu. Dans notre cœur, le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est attristé en nous, le fleuve de vie cesse. Jésus a dit que le fleuve de vie coulera des saints. S-I-N, qui signifie aussi, c'est un synonyme du cœur. Coulera des fleuves de vie. Mais à partir du moment où l'amertume est en
Donc, on t'a fait du mal, tu étais en colère, tu as levé la colère, l'amertume est entrée. Après, l'esprit de ressentiment est entré. Et puis, la rancœur est entrée. Tu ne supportes plus les gens, tu hais la personne. Et puis, la rancune est entrée. Et puis, l'esprit de revanche est entré. Ça, là, ton cœur n'est plus gardé. Et demain, tu vas te venger. Donc, ton cœur n'est plus protégé. Ce cœur-là, il est malade spirituel. Là. Satan peut jouer avec toi comme tu peux prier, gêner. Si ton cœur est malade, Satan va jouer avec toi. Alléluia. C'est pourquoi l'Écriture de Proverbes dit, garde ton homme intérieur, garde ton cœur, garde ton esprit plus que toute autre chose. Et Jésus dit, c'est la bonté du cœur que la bouche parle. Alléluia. Il faut que ton cœur soit gardé, pur en Dieu, n'haïssant pas les gens, aimant les gens, désirant faire du bien, même à tes ennemis. Alléluia. Alors, quand quelqu'un prend les bonnes décisions, dit moi, je ne me vengerai pas. Regardez-moi tous. Dites-moi, regardez-moi tous maintenant. Tout le monde me regarde. Dites que je ne me vengerai pas de ma vie. Je laisserai Dieu agir à ma place. Car à lui la rétribution, à lui la vengeance. Amen. Amen. Ton cœur est gardé. Tu as chassé la vertu. Tu as chassé tous ces démons-là. Ton cœur est en paix. Il est fonctionnel. Alléluia. Et même quand tu te lèves pour faire ton combat spirituel, ou tu pèches d'une autre manière, mais Dieu voit que tu es quelqu'un qui a un cœur bon. Dieu te protège. Alléluia. Déborah, tu ouvres ton micro. Amen. Amen. Il faut le fermer peut-être quand tu l'animes après quand tu ouvres. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés, cinquième principe que nous voyons, ne pas se venger nous qualifie à être fils de Dieu. Tu peux être chrétien, chanter à la chorale tout le temps et prêcher la parole de Dieu et pasteur, prophète, apôtre ou venant, faisant les services à l'église. Tout cela est bon, mais pourvu que tu sois qualifié à être appelé fils et fille de Dieu. On a vu dans Matthieu 5, verset 44, la conclusion de pouvoir faire du bien à nos ennemis et que nous puissions, pour que Dieu nous appelle fils de Dieu, il faut que nous arrivions au point de faire du bien à nos ennemis. De pardonner nos ennemis, de leur faire du bien. C'est pas vrai que Jésus, avant de mourir à la croix, il dit Seigneur, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, Étienne, lapidé par les méchants, il regarde, il dit, Seigneur, ne les impute pas ses péchés. Quand tu as compassion à tes vengés, ne te lève pas, Jésus ne te prendra pas. Ne tombe pas. Et c'est pourquoi il faut s'exercer à faire ces choses, dans les petites choses. Et nos enfants, quand ils sont tout petits, apprenons-leur toujours à faire du bien aux gens, à ne pas se venger. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Je reviens sur Matthieu 5, verset 44. C'est une forte révélation de ce texte-là. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Soit nous sommes bloqués. Hier, par exemple, après ce qui s'est passé au Coran, je me suis mis à prier pour Kabila, à prier pour ces gens-là. Mais en priant ici, ça ne signifie pas qu'ils vont devenir forts. Non, c'est alors qu'ils vont devenir faibles, parce que moi, je suis dans les principes de Dieu. Alléluia. Nous voyons verset 45. Quand, et même vos amis, quand tu bénis ceux qui te maudissent, quand tu fais du bien ceux qui te haïssent, quand tu fais pour ceux qui se maltraitent, qui te persécutent, afin que tu sois appelé fils de ton Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que ta dimension d'amour augmente. Tu commences à ressembler à Dieu parce que c'est ainsi qu'est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, comme enfants de Dieu, nous devons faire attention. C'est un test. Aimer nos ennemis, c'est un grand test. Faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal, c'est un grand test. Alléluia. Donc ne pas s'évanger nous qualifie à être fils et filles de Dieu. Si toi tu te venges tout le temps, ne te lève pas, tu n'es pas encore fils de Dieu.
Ah, je suis né de nouveau, bien sûr. Mais ton comportement envers les ennemis prouve que tu n'es pas encore fils de Dieu. C'est comme tous ces Congolais que je vois en train d'appuyer les mensonges dans les élections. Et vous trompez, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu doit aimer la justice, qu'il soit l'injustice, qu'il soit infamiliale, intrafamiliale, intratribal. Un enfant de Dieu rejette cela. C'est ça qu'on appelle l'enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclamons un peu le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous savons qu'il fait foi ici aujourd'hui. Mais le Seigneur veut que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Sixième principe, ne pas s'évanger permet à Dieu de mieux s'occuper de nos ennemis. Souvent, si vous voulez que nos ennemis disparaissent, faisons du bien, ne nous vengeons pas. Ne pas s'évanger permet à Dieu de très bien s'occuper de nos ennemis. Regardez la situation de David. Par deux fois, il a tué Saoul, il n'a pas fait. Après Siglag, juste après Siglag, les combats avec les Philistins, Saoul était mort au combat. Dieu s'est bien occupé de Saoul. Et quand Nabal ne veut pas nous remettre les biens qu'il a gagné à Nabal, quand Dieu lui-même a frappé Nabal et Nabal est mort. Mais toi, tu es enfant de Dieu aussi, tu es loin de Dieu aussi. Tu as le Saint-Esprit et tu as même un avantage par rapport à David. David n'avait pas le Saint-Esprit en lui, il avait le Saint-Esprit sur lui, il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Hein? C'est pourquoi David, parlant de Jean-Baptiste, Jésus dit, c'est le plus grand prophète, mais de tous ceux qui étaient de la femme, il est le plus grand, mais ceux qui sont dans le royaume de Dieu sont plus grands que lui parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Alléluia, par le Saint-Esprit, nous sommes bien outillés à rendre à faire du bien. Alléluia. Donc Dieu va s'occuper très très bien de nos ennemis, rapidement, quand nous restons dans les principes de Dieu comme David, en rendant le mal et le bien plutôt pour le mal qu'on veut nous faire. En faisant du bien à nos ennemis, Dieu va s'occuper très très bien de nos ennemis. Et verrez la joie maintenant. Alléluia. Romains 12, Déborah, et verset 19. Le pardon est là, beaucoup de pardon dans les cœurs, beaucoup de pardon. Oh, chantons dans la joie aujourd'hui. Chantons dans la joie, le pardon est là. Oui, Romains 12, verset 16, Déborah. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Allez-y. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant aussi, tu amasseras le charbon ardent sur sa tête. Je vais recommencer un peu maintenant au verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Si tu veux voir Dieu s'occuper de tes ennemis, rendez pas le mal toi-même. Mais laissez agir la colère de Dieu, laissez passer ta colère, pardonne-le. Car Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si ton ennemi, après il dit, s'il est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé. Ne vous vengez pas vous-même. Alléluia. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, quand il agit ainsi, sur le charbon ardent que tu amasses sur sa tête. Nous comprenons, mes bien, mes bien-aimés. Donc, à partir du moment où tu commences à faire le bien, toi, quand tu fais le bien, tu n'attends pas le charbon ardent. Tu fais le bien complètement. David a sauvé Saoul complètement. Il n'a pas sauvé avec l'idée qu'il meurt. Non. Il dit, tu ne mourras pas entre mes mains. C'est Dieu s'occupe de toi comme il voudra t'occuper. Moi, je ne porterai pas la main sur toi. Alléluia. Si tu veux que Dieu s'occupe de tes ennemis, que ce soit l'ennemi spirituel, toi, ne garde pas rancune envers ces gens. Rends-le le bien. Il est au pays, tu sais que c'est un grand sujet qui te fait du mal, il te demande quelque chose. Prie pour ça. Envoie-lui. Envoie-lui. Des fois, toi, j'ai vu des gens qui t'ont envoyé de l'argent. Lui, oh, je ne veux pas prendre tout l'argent. Il fut mêlé à l'argent qu'il ne voulait pas. Nous comprenons, mes bien-aimés, ne pas se venger permet à Dieu de bien s'occuper de nos ennemis. Alléluia, le pardon est là.
Nous te disons merci, que ton nom soit béni et sois exalté. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Je vais aller au dernier principe aujourd'hui. Seuls ceux qui savent pardonner s'exercent, se parlent plutôt d'exercer la vengeance. La vengeance, parmi quand on voit, par exemple, quand tu n'as pas pardonné, le premier démon qui arrive, c'est l'amertume. Après la dîme vient l'animosité. Après la montée vient l'esprit de la rancœur. Et après la rancœur vient la rancune. Et la vengeance arrive après la haine. Donc c'est un long chemin pour arriver à la vengeance. Mais tu peux bloquer la vengeance au départ si tu as l'habitude de toujours pardonner. Si tu pardonnes constamment, tu vas bloquer la vengeance. Mais si tu ne t'exerces pas à pardonner tous les temps, tu vas te venger un jour. Parce que un péché, une cause non pardonnée ouvre une porte à l'amertume. Parce que la Bible dit, ne dormez pas avec colère, c'est un accès au diable. Quand tu as dormi avec la colère, tu as ouvert une porte au diable, l'amertume est arrivée, le ressentiment est arrivé, la rancœur est arrivée, la rancune est arrivée, la haine est arrivée, et finalement, tu vas la vengeance est arrivée et tu vas arriver au maître. Donc c'est un long chemin, mais comment tu bloques à ce que la vengeance n'arrive pas? Tu pardonnes. C'est ce que David a exercé. C'est ce qu'il a exercé envers Saul. C'est ce qu'il a exercé tout le temps. C'est ce qu'il a exercé envers Nabal quand il a écouté la voix d'Abigaïl. Amen. Il a exercé la miséricorde. Et Dieu s'est occupé de ses ennemis. Alléluia. Nous comprenons, bien aimés. Donc, ça dit que ne jouons pas avec le pardon. Savoir pardonner, c'est capital. Vous savez, même le pardon, si tu ne pardonnes pas, ta prière ne passe pas. Marc 11, verset 24 à 26 dit quoi? Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez avec votre personne, vous pardonnez sur vos offenses. C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas, ta prière ne passe pas. Si tu ne pardonnes pas ton offense, même si la maison de prière n'est pas utile, ça ne passera même pas. Dieu ne guérira même pas. Et dans le cas d'espèce, quand tu t'exerces à pardonner, c'est-à-dire que tu ne te vengeras pas un jour. Tu auras affaire, tu verras ton ennemi comme ça, tu ne porteras pas sa main sur lui. Et Dieu s'en occupera certainement parce que ceux qui font du mal aux autres, Dieu sait s'en occuper. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui la vie. Les sept bénéfices pour ne pas se venger. La première chose que nous avons vue, ne pas se venger, permet à nos vies d'être d'un grand prix devant Dieu. Nous protégeons nos vies quand nous ne nous vengeons pas. La deuxième chose, ne pas se venger permet de demeurer dans l'amour de Dieu. Très important, nous comprenons que de ces trois choses demain, la foi, l'espérance et l'amour, la plus grande, c'est l'amour. Tu ne demeures pas dans l'amour, Jésus ne te connaît pas et tu ne vois pas Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible te dit que l'amour excuse tout. La troisième chose que nous avons vue, ne pas se venger d'une obéissance à Dieu. Car Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc engage pour l'accomplissement de notre destinée. Quand tu ne te venges pas, tu protèges ta destinée. Tu protèges ta destinée. Alléluia. N'est pas dévangé est une grande protection pour notre cœur. Comme la Bible dit, garde notre cœur et garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient les sources de vie. Tout vient de l'esprit, tout vient de l'homme intérieur, tout vient du Saint, S-I-N. Quand il est abîmé, rien ne sera de bon dans ta vie. Alléluia. Ce qui est précis, n'est pas dévangé, nous qualifie à être fils de Dieu. Il y a beaucoup qui se programment fils de Dieu. Mais non, si tu n'es pas encore arrivé au niveau de faire du bien à tes ennemis, tu n'es pas encore fils de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Sixième chose, ne pas évangéliser permet à Dieu de mieux s'occuper de nos ennemis. Tu veux voir tes ennemis, ne les hais pas. Prie pour eux. Même cette richesse que j'ai fait les choses au Congo, prions pour eux. Ils n'iront pas loin. Ils n'iront pas loin. Alléluia. Gloire à Jésus. Et septième principe que nous avons vu aujourd'hui, seuls ceux qui savent pardonner s'épargnent d'exercer la vengeance. Donc, quand tu t'exerces tous les jours à pardonner, on doit apprendre à nos petits-enfants
de péchés déjà pardonnés. Une vie malheureuse, c'est la vie des personnes qui ne pardonnent pas. Ils ont gardé les choses pendant 30 ans, 40 ans. Et puis ça décharge des faces aussi. Hein. Si tu veux vieillir là, comment ça n'est pas pardonné? Si tu veux avoir des problèmes dans la vie, avoir des dépressions, avoir des maladies et psychosomatiques, ne pardonne pas. Quand tu pardonnes, tu es une personne libre. Et quand tu t'exerces à pardonner, jamais tu te vengeras de quelqu'un demain. Jamais tu feras du mal à quelqu'un. Tu verras ton ennemi comme David, Saoul par deux fois. Tu lui feras du bien. Et Dieu s'en occupera. Père, je glorifie ton nom. Oh Seigneur, merci pour ta miséricorde et ta bonté. Merci encore pour cette parole que tu as donnée, que tu nous as donnée. Oh Père, que le soit vie pour nous. C'est pourquoi je prie maintenant qu'au nom de Jésus-Christ, tout esprit de manque de pardon, tout esprit d'amertume, tout esprit de ressentiment, tout esprit de rancœur, tout esprit de rancune, tout esprit de revanche, tout esprit de vengeance, tout esprit de haine, sortez du cœur des enfants de Dieu qui nous suivent maintenant et ceux qui vont suivre cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Lave-toi beaucoup maintenant. Lave-toi, tout est là. Lave-toi, je vois la révélation de guérison. Ushima no komandasuke. Les mains, Dieu de la joie maintenant. Aimez Dieu de la joie. Umaga no konoshkema adanai. Le fer est sauvé de la mort. Le fer est sauvé de la mort. La part de Dieu est faite. Garde les calmes. Garde calme maintenant. C'est un cri de joie maintenant. C'est un cri de joie maintenant. Mais nous prions pour la République démocratique du Congo. Aspergeons le sang de Jésus sur la tête de ces pays jusqu'en bas, au Père. Au Père, détruisons tout œuvre de mensonge qui fait élire un président qui n'a pas été voté. Je brise ces mensonges-là. Au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que soit établie la vérité des urnes, au Père. Que ceux qui ont triché, ceux qui ont volé, ceux qui font de la sorcellerie maintenant, je garde leurs œuvres détruites au nom de Jésus-Christ Nazareth. La marque de la mort est brisée. Oh ma chique, nous remettons par tes feuilles entre saintes mains et toutes les dons de bonne volonté au Père, qui sont pour la justice et la vérité, que ton sang les couvre, les cris de joie maintenant. Oh Ndoye, Ndoye Nzambe Akoya, Ndoye Nzambe Kokota la Congo, le bras est free, Koshikam Andoba Mashiach. Libérez la parole. Oh ma chikem, que la force église de Jésus-Christ, tous ceux et les pasteurs déviés, que leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus-Christ. Les bras droits de Dieu arrivent. Et comme ma chikem et rakim, nous glorifions ton nom. Et si des élèves surissent auprès dans le monde qui viennent au secours du Congo, Dieu les grâces, avec ta force et son armée Père Céleste, nous te rendons de délivrer le Congo de toute puissance maléfique, de mensonge et de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, les rêves de Dieu arrivent. Les rêves de Dieu arrivent maintenant. C'est un cri de joie. C'est un cri de joie. Oh miracle de Dieu. Tongo et Tanelibangoli Banda Bandoki Makimiawa. Sauterrain de Dieu. Oh Mayako Shikama Anorvatek. Kouyabarando soir, reçois la joie maintenant. Reçois la joie, miracle. Un miracle de ton aho, loko shikema. Que nous chassons l'esprit de peur de la population du Congo. Au nom de Jésus. Et non, l'esprit de compromis au mensonge de le brisons. Au nom de Jésus. Que la foi et victorienne de Jésus-Christ soit élevée sur la République démocratique du Congo. Parle des dieux de la puissance. Pardon, le fardeau est parti. Nous te disons merci et te rendons grâce. Que ton nom soit béni. Merci encore pour le pays de Madagascar. Tout ce qui est mensonger, au Père, soit anéanti. Et depuis, on est à la tête de ce pays, Dieu le miracle. Tu es vivant, tu entends les cris de tes saints, et nous te rendons grâce. Et te disons merci de bénir chacun de tes enfants, ceux qui sont présents, ceux qui sont absents à cause de la tempête. Bénis-les aux ceux qui ont des incidents. Faut-il filer quand tu as épargné pour plus fort et pour plus grand que ça? Nous te disons merci, Dieu le miracle. Te rendons grâce pour ton amour et ta grâce pour nous, Père véritable. Nous te rendons grâce surtout pour ta miséricorde envers nous. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ.
Lève-toi dans la joie aujourd'hui. Oh, lève-toi dans la joie maintenant. Acclamons le Seigneur.